Donc, je vais parler en français et je vais donc laisser un peu de temps à chacun de passer sur Kudo. Comme ça nous permet d'avoir un peu d'interactivité si on ne peut pas l'avoir en version live. Donc, je tenais quand même à remercier tous les participants d'avoir fait preuve de patience dans la mesure où ce séminaire aurait dû avoir lieu en avril et on l'a décalé deux fois. Mais je vois que l'enthousiasme et l'engagement de la communauté EIP, et en particulier celle du AQUIS, est resté intact. Et donc, je tenais à vous remercier pour cela, mais aussi parce qu'il y a une deuxième chose, ceci est notre premier événement de grande envergure en ligne. Donc, comme vous savez, nous n'avons pas d'expérience, hein, assez d'expérience en ce qui concerne l'organisation de tels événements en ligne. Mais je dois dire que les mois derniers, les collègues ont passé beaucoup de temps, nous avons passé beaucoup de temps à essayer de vous fournir quelque chose qui ne remplacera pas complètement la version live, donc face-to-face. Mais cependant, on s'est rassuré, on a fait des efforts pour que vous ayez un événement de bonne qualité, mais aussi qui vous permet d'interagir avec les différents collègues qui sont situés à différents endroits d'Europe. Parce que ça, c'est toujours un peu du acquis, hein? Donc c'est la connexion, l'échange de connaissances et le flux de connaissances à travers l'Europe. Pour cela, l'équipe, il y a une équipe restreinte qui est disponible pour cet événement pour les 3 jours ici. Ma collègue Margarida Ambar, donc Sergio. Marc, merci pour ta contribution comme coordinateur. Sarah aussi, vous deux, vous n'avez pas hésité à vous mettre à disposition malgré les différents déplacements. Et ma collègue Ina, ma collègue Sarah, qui sont chargées de la communication. Et plus particulièrement maintenant, mon collègue Zeus Gonzalez, mais aussi Kiko Onega, qui sont les deux collègues qui se chargent particulièrement de l'aspect technique en ce moment de l'événement. Donc, si vous avez un problème technique, contactez ces deux collègues-là. Vous allez voir que sur leur écran, il a mis Helpdesk pour le moment, donc Kiko et Zeus. Au-delà de cette équipe restreinte, il y a donc toute l'équipe du Service Point qui a participé d'une façon ou une autre. Certains sont présents aujourd'hui et donc ils assureront la facilitation de l'événement. Comme vous savez, on a fait l'effort de cet événement un événement interactif, donc avec beaucoup de groupes, de petits groupes de discussion. Et vous avez à peu près une dizaine ou une douzaine de collègues qui sont là aussi, qui ont aidé sur le plan de la logistique et qui vont travailler en back-office. Je remercie tous ces collègues pour leur engagement. Ça n'a pas été facile, nos vacances n'ont pas été très longues, mais en tout cas, merci encore à vous. Je ne manquerai pas aussi de remercier les interprètes qui se sont mises aussi à disposition depuis avril et on a fait beaucoup de tests pour assurer la traduction. Et ces tests ont duré parfois très longtemps et on a fini très tard dans la nuit. Et je vous remercie particulièrement aussi pour votre disposition, pour votre disponibilité. Et j'espère qu'avec tous les efforts que nous avons fournis, nous serons en mesure d'assurer un événement qualitatif à tous nos participants. Dernière chose, je tiens à dire, comme on en a discuté dans l'équipe, le AQUIS est un concept très important pour tout le Service Point. Parce que depuis 8 ans que nous sommes à la 8e année, hein, depuis que nous travaillons, tout ce que nous avons fait était une partie du AQUIS. Donc le partage de connaissances, la mise en réseau des participants. Et ici, nous pensons que ça, c'est un peu l'aboutissement de beaucoup d'années de travail. Et nous sommes donc très contents de partager ces derniers moments
en ce qui concerne l'acquis et relancer le futur. Généralement, on dit qu'il faut voir d'où on vient pour savoir où on va. J'espère qu'au terme de ceci, vous serez très satisfait. À la fin de cet événement, vous aurez une évaluation. Et comme ceci est notre premier événement, nous vous serons très reconnaissants de nous faire parvenir votre feedback, donc de telle façon que nous puissions encore améliorer ce nouveau format, parce que c'est un nouveau format pour le EIP. Le mois prochain, nous aurons notre événement en ligne et cela nous permettra de fournir un meilleur service dans la mesure où nous sommes à votre service. Merci beaucoup et bonne continuation et bon événement. Thank you, Pakom. And yeah, just to reiterate, I know the EIP Agri team have been working incredibly hard.